Hey, salut à toutes et à tous, et nous voici ensemble pour un nouvel épisode de Luigi's Mansion avec toujours notre grand et fabuleux héros Luigi qui va à la rescousse de son frérot. Et aujourd'hui les amis, vous m'avez déjà donné plein de conseils par rapport au bout, au cas où que si je loupais un bout, qu'il y en aurait, enfin en général qu'ils allaient dans la pièce adjacente où ils se dirigeaient, enfin ils changeaient de pièce tout simplement. Après que les bouts là que j'avais maintenant c'était de la rigolade par rapport à ce que j'allais avoir après. Vous m'avez aussi enfin plein de petites astuces par-ci par-là. En tout cas pour faire un petit peu attention à nos amis les bouts. Et pour l'instant vu que la dernière fois on avait fini les bouts qui étaient à l'étage dessus, on va s'occuper aux bouts qui sont ici. Alors à ce qui paraît aussi il fallait 5 bouts pour continuer l'histoire principale. J'ai les 5 bouts donc ça devrait être bon. Et autre petite chose, oui bon vous êtes saoulant. Allez boum, viens par ici mon coco. Pareil pour les chauves-souris, m'embêtez pas, moi je veux être tranquille. Ah là je ne pouvais pas. Ok je suis bête, on m'avait dit qu'il fallait que je retourne dans la salle de bain. Donc on va se retourner, on va directement aller dans la salle de bain. On va prendre de, oh, de la vie ici, il y a de la vie, je prends. Moi je veux juste la salle de bain. Ou quoique, j'aimerais d'abord plutôt récupérer les bouts. Là normalement il est censé y avoir un bout par pièce. On voit qu'il y a le petit truc qui clignote en jaune. Donc ça veut dire qu'il y a un bout dans la pièce. Ah non, ici. Non, un objet. Ok c'est le bout qui s'est amusé avec nous. De manière c'est un petit peu des leurs, ça c'est normal. Je pense qu'il y a plusieurs endroits dans la pièce où ça doit clignoter. Là, oui. Ouh, là. Hé hé. Oh il a bougé. Il est pas chiant, il est pas chiant. Alors voilà, autre chose que je voulais dire. YouTube a introduit un nouveau système. Enfin, peut-être que vous connaissez les fiches, ceux qui ont déjà fait des vidéos ou tout simplement vous avez déjà pu voir. Attendez, là il est, je crois. Oui, copain. Peu cher, je suis bouillabaisse. Alors ceux qui connaissent pas la bouillabaisse, c'est un plat marseillais. Enfin, je crois que c'est sur, de base c'est surtout Marseille. Non, mes sous-sous. Bon bah il a changé de pièce, normalement il est dans le couloir. Il est passé où? Oui il est là, il est là. Bouillabaisse, viens ici. C'est un plat typiquement du sud. Plein de poissons avec une sorte de soupe. Enfin c'est très bon, hein. Franchement c'est super bon. J'ai déjà eu l'occasion d'en manger et je peux que vous le conseiller. Et je sais pas où il s'est barré en fait l'autre. Ah il semble, en tout cas il est plus là, il y a plus le truc qui clignote. Oh eux ils sont un peu saoulants quand même. Est-ce qu'ils seraient retournés dans l'autre salle? En tout cas si c'est une autre salle je peux pas y aller. Donc je vous parlais à propos des fiches. Bon c'est pas grave hein, je l'ai loupé lui. Donc et ce qui se passe avec ces fiches c'est qu'ils ont introduit les sondages à travers ces fiches. Et je me suis dit ça pouvait être génial de les utiliser pour vous faire participer. Alors ce que je vais faire, ce que je pense faire pour ce let's play, vraiment ça va être un test pour ce let's play. À chaque épisode de Luigi's Mansion vous aurez une fiche. Et cette fiche, attendez, voilà. Et dans cette fiche, ce qui se passera, ouh, il y a un petit bout, ouais bon lui, ok. Il y aura un sondage, il y aura une question, et vous devrez répondre à cette question. Donc ce sera directement sur la vidéo, je crois que c'est en haut à droite que ça apparaît. C'est simple, c'est pas compliqué, vous cliquez dessus, et vous pourrez choisir entre les différentes réponses. Alors c'est des sondages, c'est très simple, hein. Du genre, vous posez une question, et vous avez, je crois qu'au maximum, je peux mettre que 5 réponses possibles. Non, à droite, là, la caisse. Il est ici, je crois. Oui, appelle-moi Gameboo. Alors, toi, tu vas rester avec moi. L'autre, je l'ai loupé, mais pas toi. Oui. Et comme ça, à chaque épisode, après le coup du sondage. Oh, lui, à chaque fois, il va m'embêter avec ses sauvegardes. Non, merci. Et justement, à chaque fois, avec ce sondage, on reviendra à l'épisode d'après sur vos résultats. Et pour que ce soit encore plus fun, ce sera totalement aléatoire. C'est-à-dire que c'est moi qui décidera quand exactement dans la vidéo je le mettrai. Je vous le dirai pas. Et comme ça, en même temps, je verrai ceux qui regardent correctement leur épisode. Et bien entendu, vous pourrez répondre, il y aura aucun problème. Alors, je crois qu'il faut obligatoirement avoir un compte Google. Mais bon, enfin, si vous pouvez laisser un j'aime, etc. C'est déjà bien qu'ils aient intégré ce système-là. Sincèrement, ça fait déjà plaisir. Donc maintenant que j'ai fait tout là, je crois que je dois aller... Voilà, la salle de bain qui était ici. Donc vous m'en direz des nouvelles. Et c'était un bon moyen pour vous faire participer. Ces derniers temps, je réfléchis énormément pour trouver des moyens de vous faire plus participer. Ou pour un moyen, tout simplement, si vous avez vu mon sondage, de faire un peu évoluer ce concept de let's play. Mais je dois bien vous avouer que j'ai beau chercher des idées un peu partout, c'est vraiment, mais vraiment pas facile.
Et ça déjà, le fait qu'ils aient introduit ça, je me dis que ça peut être une excellente idée pour vous faire participer de manière très simple. Plutôt que d'avoir un sondage qui est un petit peu en dehors de YouTube, vous restez sur la vidéo, vous avez juste à cliquer dessus et tout est bon. Alors on m'avait dit que normalement c'est la salle de bain, non? Moi ce qui me paraît bizarre c'est ça. Je peux rien faire? On est bien d'accord, je suis dans la salle de bain. Il doit y avoir un truc à faire. C'est presque sûr et certain. Game Boy Horror, s'il te plaît. Non. Ah, notre petit Luigi qui s'y flotte. Non. Là, il y a une fenêtre qui semble être ouverte. Tu veux pas venir avec quelque chose? Apparemment, ça fait longtemps que ça n'a pas servi. Waouh, merci de l'indice. Et là, sur le... Pareil, apparemment, ça... Merci des indices, Luigi. Alors là, franchement, c'est d'une super grande utilité. Est-ce que je peux aspirer? Non, il y a de la poussière, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien du tout. Est-ce que je peux aspirer par là aussi? Non, je peux juste tirer ou pousser. Ah, n'est-ce point étrange, n'est-ce pas? Oh, on a été dans la salle de bain, on est d'accord là. C'est bien là où le professeur Catastrophe m'avait dit de me rendre. Et j'ai pas de clé. Ah mais si, je peux accéder là. Ah, je me suis gouré, je pensais que c'était là la salle de bain. Qu'est-ce que je suis bête. Oh mon petit Todd. Snoop, j'ai fait tomber un truc super important dans les toilettes. J'ai pas fait exprès. Ne t'inquiète pas, je suis là pour te réconforter. Tu as raison, ce qui est fait, pas la peine de pleurer. Je vais tirer la chasse sur ce problème et laisser la joie emplir à nouveau ma vie. Wep. Oh oh. Bah ben moi je tire la chasse hein. Oh la clé. Comme par magie, elle était cachée dans les toilettes. Ah c'est ça que t'as laissé tomber. Et quelle est la porte que ça nous ouvre? Ok, donc au sud. Et justement on m'avait aussi expliqué le système de zone où les couloirs ils seront éclairés vraiment quand on aura fini officiellement une zone hein. Donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment éclairer la zone juste en prenant on va dire tous les bouts etc. On aura toujours. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Faut être curieux dans ce jeu. Y'a pas photo. Là. Non. Le lampadaire. Ah, de la vie. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie comme on dit. Je crois que j'ai tout fait par ici. Maintenant on va se rendre directement à la pièce suivante. Et là il va y avoir encore les petits bouts qui vont nous embêter. Ouais on va... Oh les esquives. Ah vous les avez pas vu venir celle-là hein. Pitié pas encore les bouts avec les bombes. Oh il est saoulant lui. Il fait son malin. Vraiment pas drôle. Toi on te veut plus. On va finir la zone au plus vite. Ouh une perle. Il y a madame Irma qui va nous prédire notre avenir. Ouh ça me semble très bizarre. Ok. Oh lingot lingot. Et là normalement si je ne bouge pas Luigi devrait s'y flotter. Oh madame Irma. Mais quelle surprise. Bonjour. Qu'est-ce que tu me veux? Qui es-tu? Je suis madame Clairvue. Devant des objets perdus, les possessions des autres font vibrer mon esprit. Si tu trouves les objets perdus d'une personne, amène-les moi. Je te montrerai mes pouvoirs. Hein, on m'avait dit justement qu'il y aurait des objets qu'on récupérerait je crois de Mario et que ça ferait le bonheur de quelqu'un. Bah je crois que c'est de elle que ça va faire le bonheur. Oh yeah. Alors est-ce que par hasard il n'y a rien d'autre ici? On doit pouvoir accéder à la porte d'à côté. Oui je pense qu'on va avoir le premier objet histoire de pouvoir tester avec madame Irma. Oh c'est génial ce système. En fait on voit le fantôme mais à travers la vitre. Ah mince c'est un fantôme bleu. Oh non, il a presque une fois en plus. Quoique. Là, oui. Allez, allez mon coco, viens par ici. Merci. Merci d'être passé, c'était très gentil. Qu'est-ce qu'il y a ici? Yala. Ta. Allez viens, oh, n'aie pas peur mon loulou. Viens de mon aspirateur. Rejoins tes amis, n'aie point peur. Attention. Oh. Non. Attention. Je suis prêt. Ah, vous voulez plus venir maintenant, hein? Voilà. Attention. Non. Mais arrête! J'ai même pas le temps de faire quelque chose. Là, non. Oh, ils sont saoulants. Là. Oui, j'en ai un. Voilà, non, l'autre, il va m'embêter. Oh, j'ai eu de la chance d'esquiver. Ils nous font perdre vachement de vie, ces coquins.
Viens par ici. Madame Irma va te... Enfin, Madame Irma va s'occuper de toi. C'est le fantôme qui va avoir peur de moi tellement je fais n'importe quoi. Allez, viens par ici. Voilà, c'est bon. Là, on t'a fait, mais Fast and Furious, mec. Oh. Ah, ok, d'accord. Ah, j'ai pas fait exprès. Attention. Et alors le petit. Hop, 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 hop. Non, l'autre, fais gaffe à l'autre, fais gaffe à l'autre, fais gaffe. Oh, l'autre m'a rien fait. Ok, j'ai pas compris pourquoi. Là, il est derrière moi. Yota! Ninja! Allez, viens par là. Oh là là, ils sont souvent eux. Enfin! Est-ce que ça va être un objet? Oh! C'est ça! Et donc, c'est ce que Madame Irma. Ouais, bon, hein, Madame Claire, vu Madame Irma, vous m'avez compris. Je vais l'appeler Madame Irma, je trouve que c'est plus sexy comme nom. Hé, hey, Luigi, qu'est-ce que tu as trouvé? Jetons-y un coup d'œil. Ah, moi, c'est avec plaisir, on y jette un coup d'œil quand tu veux. Hein. Oh, ah, c'est une médaille élémentaire de feu. Tu peux maintenant utiliser l'élément feu. Comment ça? Avec ça, tu peux attraper des fantômes de feu. Tu me demandes de trouver des fantômes de feu? Ils résident là où il y a des flammes. Simple, non? Si tu t'approches d'une flamme, ils seront surpris et s'envoleront. C'est là qu'il faut aspirer. Après ça, tu pourras cracher du feu avec le bouton L. Tu peux allumer... Ah, tu peux faire fondre la glace, allumer des bougies, etc. En bas de l'écran, tu verras une jauge qui t'indique la quantité d'éléments restants. Ok, fils? Tu devras sûrement utiliser l'élément feu pour vaincre certains fantômes. Souviens-toi de ça. Waouh! Comment on fait? L'élément feu? Je veux l'élément feu. Comment je suis censé cracher du feu? Je sais des trucs, mais... Bon, déjà, il y a Boubou. Boubou! Il est où, Boubou? Ah! Regardez! Viens par là, mon coco! Les flammes! On va aspirer les flammes! Allez, les petites flammes. Les petites flaminettes. Ah, il faut que... Et une fois que j'ai du feu... Pan, 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 c'est ça? Non. Je dois déjà recharger ma jauge, j'ai l'impression. Oh, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Je fais n'importe quoi. Là. Tu veux... Bon, on a compris. Le boubou, t'es saoulant. Alors, tu vas enfin te montrer. Merci. Voilà, fureur, le combo. Non, il m'a touché. Et bien entendu, je ne peux pas sortir d'ici. Ça aurait été trop beau. Il faut que j'allume ces foutues bougies. Ça paraît logique quand même. On m'a dit elle. Quoi? Oui, mais je m'en fous de cette bouboule. Allez, oust. Je veux des flammes. Donnez-moi les flammes. Là, merci. Encore des flammes? Ouais. Ok, et ensuite. On m'a dit elle. Là, j'appuie sur. Ah. D'accord. Je peux cracher les flammes. Mais c'est la classe. Oh, c'est tellement bien pensé. Ah, mais attendez, on peut vraiment faire. C'est énorme. Ah là, j'avoue que pour le coup, j'adore totalement le concept. Et j'ai tout allumé. Ah oui, c'est bon, là, la pièce est bonne. Par contre, boubou. Ah, mais faut reparler à Madame Irma. Mais avant tout, on va déjà allumer la pièce. Voilà, encore, il y en a encore deux, c'est ça? Les quatre coins. Et après, on récupérera le boubou. Donc là, j'ai allumé la pièce. Ouh, la clé! J'ai vu la clé, la clé, la clé, la clé, merci! Yeah! Est-ce que par hasard, Madame Irma est intéressée par ce genre de choses? Ouais, c'est au bout du couloir. Je pense que durant cet épisode, on devrait avoir le temps de finir la zone. Alors, on va se retourner, on va attendre. En plus, on a notre petit Luigi qui fredonne l'air de rien. Allez, Madame Irma, on se dépêche, s'il vous plaît. Comment j'ai fait la première fois pour la faire apparaître? Ok, bah elle a pas envie. Elle se rebelle. Ah! Fallait la provoquer, la vilaine! Voilà! Non. Madame Irma! What? Et je veux la bouboule! Prédis-moi mon avenir! Bah, c'est pas grave, on va aller faire l'autre pièce. Madame Irma a pas envie de nous voir. Elle nous fait la gueule. Pourtant, on n'a rien fait de mal.
Et je me suis loupé sur deux bouts quand même. Je suis vraiment boulet là. En fait, ils me touchent. S'ils me touchent, c'est fini. Ils vont forcément changer de zone. Allez, on ouvre la petite pièce. Et... oh, il y a deux portes. Elles sont notées. Alors, la porte du haut, c'est une fausse. Oh, non. Je me suis totalement foiré. Eh. Viens par ici. Non, mais... oh, cette manette. En fait, ce qui me foire tout, c'est que le fait que la sensibilité de la manette est prise en compte. Fait que je suis... là. Oh, il est saoulant, il est saoulant. Pourquoi c'est pris en compte la sensibilité de la manette? Là, maintenant. Oui. Allez, viens par là, mon coco. On va pas faire de jaloux. Rejoins tes copains et on n'en parle plus. Oh, oh, oh. Et qu'est-ce qu'il y a de Mario? Vous trouvez le chapeau de Mario récemment lavé. Hein, faut fouiller. Là. Tiens, viens par ici, toi. Venez à moi, vous me saoulez. Alors, non, 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 non. Mais what? Pourquoi ça veut pas l'aspirer facilement? Ah lui, il était plus coquin comme bout. Il voulait pas se laisser faire. Et hop là. Non, 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 non. Non. Non, je suis paré là. Donc faut bouger, bien entendu, sinon ce serait trop simple. Ouh. Et l'autre qui apparaît, je peux rien faire. Mais c'est n'importe quoi. Lâche-moi. Lâchez-moi. Là, viens. Ici. Voilà, et l'autre copain. Copain, oh oui. Par la même occasion, on fait deux pierres d'un coup. Et allez, on n'en parle plus. Pas de jaloux, et la pièce vient de s'éclairer. Et on a le chapeau de Mario, j'ai envie de voir ce que ça fait avec Madame Irma. On va d'abord finir la zone. Oh oui, donnez-moi tous les bonheurs du monde. Se résume par l'argent. Oh, je vais arrêter hein. Je dis n'importe quoi. Et en plus, il y a Boubou. Allez, tire-moi ça. Toi, tu dégages. Hop là. Du bon poisson frais. Ah, il est là, bouillabaisse. Non, bouillabaisse, bouillabaisse, bouillabaisse. N'aie pas peur. Je suis là pour toi. Et on a récupéré bouillabaisse. Ah, il y a plusieurs fantômes. Youhou, il est content. Mais non, c'est bon. Non, merci. Et est-ce que par hasard, il y aurait d'autres choses? Dans le panier à linge, dans le panier à linge. Ah, non. Là, regardez. Là, non. J'ai pas envie de prendre la porte parce que je suis sûr que je vais me prendre un truc. Non! J'avais dit quoi, Luigi? J'avais dit pas la porte! Je voulais taper le balai. Ah, le saut! J'ai dit le saut! J'ai dit le saut! Ah! Compliqué, monsieur! Moi, ouais, je suis bougie! Allez! Ne rigolons plus, les boules. Là, vous m'avez énervé! Voilà, je le dis, c'est fait. Maintenant, on va les attraper du premier coup. Et on ne rigole plus avec ce genre de choses. Est-ce que je peux récupérer les produits? Non. Ça, enfin, quoi, il y a la poussière qui sort. Ça veut dire que c'est bon. Et pareil, tout en haut. La petite toile d'araignée, on fait un peu de ménage, bien entendu. On a un aspirateur, alors autant l'utiliser un peu. On va pas se gêner. Et en bas, qu'y a-t-il? Encore une pièce avec des fantômes, comme par hasard. À croire qu'on veut me faire peur, hein. Oh, la petite souris. Avec les Game Boy Aurore. Non. Ouh là là. Ouh, j'ai failli me faire rattraper par une souris. Petite souris. Ah, un trou de souris. Il y a un trou de souris, je l'ai vu. Là, ici. Et ça fait quoi? Oh, what? J'ai fait quoi? C'est une pièce secrète? Sérieux? Génial! Ah, mais c'est cool! Waouh, 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 les gars! Eh! Petit chauve-souris! N'ayez point peur! Non, non! Je perds! Waouh! Ma vie! Là, c'est bon! Là, je suis prêt! What? Quoi? Mais je pouvais pas l'esquiver! Et pourtant, je lui ai fait la lampe! Bon, là, je vais laisser tomber l'argent! Non! What? Non, non! Non! Je vais mourir! Comment c'est possible d'avoir un game over sur un jeu pareil? Non, 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 non! Ah! Sauf qui peut!
Comment je fais? Voilà! Brûlez! Brûlez! Du feu! Du feu! Brûlez! Brûle! Tous! Tous autant que vous êtes! Mourez! Ah, faut les brûler! Et comment je fais si... Comment je fais si j'ai plus de feu? Mais je peux pas sortir d'ici! Comment je suis censé faire? Ah! Bon, bah voilà, je suis mort, hein. Ah, si! Mais what? Non. Ouais, bon, voilà, non, mais j'avais plus de vie. Et je suis désolé! J'ai essayé de l'attraper, ça marchait pas. Et vu que j'ai pas sauvegardé, je parie que je vais devoir tout refaire. Bon les amis, vous savez ce qui vous attend, une ellipse qui va durer bah, le temps que j'ai mis pour faire tout ça. Je vais devoir tout refaire et que je m'abstiens, enfin à chaque fois je n'ai pas envie de sauvegarder. Donc je vous fais une très très longue ellipse. Donc les amis, on se re-téléporte ensemble dans ce monde qui a le trou de souris. Et cette fois-ci, je vais y arriver. Faites-moi confiance. Et au pire, j'ai la sauvegarde normalement qui est pas trop loin après. J'ai réussi à avoir deux fantômes, il y en a un qui m'a échappé. En tout cas, Bouillabaisse, on l'a. Je vous rassure, on a réussi à avoir Bouillabaisse. Donc on a tout réussi. Donc, toi. Voilà. Non. Ils sont... Là, je les ouvre vraiment qu'un à un. Je crois que j'ai fait l'erreur. Mais voilà, on est d'accord. Pourquoi il y a des fois, ça marche et d'autres fois, ça marche pas. Ouais, je comprends pas. Ok, oui, bah alors là c'est bien parti pour recommencer, hein. Non! Pourquoi tu l'as ouvert? Non! Non! Autant avoir les trois, franchement, et tous les brûler. Je crois que c'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. En plus, là j'ai de quoi faire. Allez, les gars! J'ai du feu pour tout le monde, y'a pas de jaloux. En plus j'ai fait infini, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi. Bah voilà. Content de vous avoir connu les gars, hein. Vous repassez quand vous voulez. Ah ouais, alors là franchement. Oh non, pitié, dis-moi pas qu'il y en a encore. Non, mon cauchemar n'est pas terminé. Mais ça me saoule. Pourquoi ça veut pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Dites-le moi. Qu'est-ce que je fais de mal? Je comprends pas. Je peux pas faire mieux. Mais pourquoi avant ça? À part les brûler, je vois pas ce que je peux faire. Regardez. Voilà, je le brûle, d'accord. Pitié, assez de feu, assez de feu, assez de feu. Oh oui. Ah, c'est bon. Par contre, on était obligé de les brûler, sinon ça marchait pas. Enfin, à part si je suis fou. Oh, de l'argent. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin là? Des joyaux? Des gemmes? Oh, il y a Luigi en version Mario Bros. What? C'est quoi ce que je viens de ramasser là? C'est moi, boulimique! Ouais, bah. Je me bats là! Tu vois que je suis un peu. Viens là, bou. Pitié, viens par là! Merci, mon petit bou! Et sur ce coup là? Ouais. Est-ce qu'on sauvegarde? Ouais, on va sauvegarder. Ouais. Ah oui! Là, dans tous mes rêves les plus grands, je suis désolé. Bon, il y aura peut-être une petite barre noire en haut à gauche, mais c'est pas grave. Je pouvais pas, là, avec tout ce qu'on vient de subir. Et est-ce que vous, s'il vous plaît, expliquez-moi comment j'étais censé faire. Je veux comprendre, parce que je ne sais pas si c'était possible ou non. Oh, le lustre en haut, là, je pense qu'il y a un truc, non? Oh, de la money. Oui. Encore? Là, regardez. Non. Là, oh. Cette pièce brillante, il y a bien des lingots encore qui se cachent, non? Allez, par là. Oh, de la vie. Même de la vie, ça va. La vie, ça vaut tout l'or du monde, là, franchement. C'est bon. Alors, les amis, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais du sondage. Donc, je pense que je vais vous le faire maintenant. Et la question sera très simple. Préférez-vous Mario ou Luigi? C'est simple. Normalement, il y aura une petite fiche qui va vous apparaître en haut à droite. Et vous avez juste à me dire, à cocher Mario ou Luigi. Et on verra au prochain épisode lequel vous avez préféré. Je vais tout brûler. Yada. Est-ce que je peux brûler les souris? Ok, mais je sais pas si c'est d'une grande utilité.
En tout cas, je veux des flammes. Le feu m'a tellement sauvé la vie que je vais pas me gêner. Et est-ce que si je prends là, est-ce que je vais voir un fantôme apparaître? Parce que là, la pièce n'est pas éclairée, c'est bien, mais il n'y a aucun bout qui apparaît. Alors, on a la casquette, on doit aller voir Madame Irma. On doit retourner voir Madame Irma, ça c'est sûr et certain. Bon, vous êtes un petit peu embêtant. Mais avant ça, j'aimerais... Enfin, je sais pas, trouver un truc là, non? Oui, on va aspirer une scie. Ah, ça, dans un aspirateur, ça doit faire du bien. Là, ça veut pas trembler. Plus en haut. En tout cas, il y a du feu. Allumez le feu! Ah ouais, ça c'est la référence, comme on n'en fait plus. Les vieux connaîtront, hein. Enfin, même les jeunes, j'irai, connaîtront. C'est quand même du classique au déchet classique. Du classique comme on n'en fait plus. Alors là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ah, pourtant, on peut pas aller autre part, vu que je n'ai pas récupéré d'autres clés. Non, mais attendez, il doit y avoir un truc à faire. Le trou de souris, c'était pas la seule chose qu'il y avait ici. Ou peut-être que si. Parce que quand on regarde la couleur de la salle, on voit qu'elle est différente des autres. Ouais, peut-être. On va déjà retourner voir Madame Irma et lui montrer la casquette de Mario. Voir si ça a la... Si ça lui fait un flash ou si elle va nous donner... En fait, je sais pas ce qu'elle peut nous donner en échange. Ah, Luigi, il y a des petits bugs de texture. On voit un petit peu à travers lui, j'ai l'impression. Allez, Madame Irma. J'ai quelque chose pour vous. Donc, je veux un tête-à-tête. Vous pouvez réapparaître, s'il vous plaît? Là. Non. J'ai une casquette. Bon, si je n'apparais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Madame Irma se décide d'apparaître? Est-ce qu'il faut que je rallume les bougies? Peut-être. Peut-être que quand les quatre bougeries sont... Les quatre bougies seront allumées, la prophétie se réalisera. Ou pas. Ou alors ça ne sert à rien. Voilà, je mets le feu. Non plus. Comment je fais? Ah, ou alors la Game Boy. Ah ah. On voit... What? Quel joli bout de cristal, j'aime bien la lumière qu'elle dégage. Peut-être qu'avec ma torche. Ah, faut la laisser pour qu'elle apparaisse. Quel est cet objet que tu possèdes? Montre-le à Madame Clairvue. Mais, qu'est-ce donc? On dirait le chapeau de Mario, mais il est propre. Comme si on l'avait lavé, désolé. J'aime bien ajouter une touche dramatique. Est-ce que je viens de dire Mario? Oh, le même que ce Mario-là. Je vois, enfin, je vois tout, donc je l'avais vu avant. Mais là, je vois vraiment. Tu es donc le frère du fameux Mario. Et tu es venu ici pour le trouver. Tu es un bon frère, arf, 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 arf. Excuse-moi, je ne rigole pas beaucoup ces temps-ci. Il n'y a pas de problème, hein. Oh, les voilà! Venez à moi, esprit de pouvoir et esprit de voyance. Montrez-moi les choses terribles qui ont eu lieu ici ce soir. Ok. Boule de cristal, symbole de mon clan, utilise ton sombre pouvoir pour nous montrer ce qui est à voir. Maintenant, montre-nous ce Mario. Lumière des esprits, montre-nous ce que nous cherchons. Un petit peu plus vite aussi. Oh, je vois que Mario est toujours vivant. Il ne se trouve pas dans le monde des esprits. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment vivant. Mais où se trouve-t-il? Ah, les esprits se sont tus. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Apporte-moi un autre indice et je te montrerai ton frère. Je ne peux plus utiliser cet objet-là. Alors, elle est censée nous prédire où se trouve Mario. Mais elle m'a pas vraiment aidé plus que ça. Elle m'a pas donné de... Oh, la souris, la souris, la souris, la souris! Souris dorée! Oui, Moni, Moni, Moni! Je me suis rappelé qui dit souris dorée dit plein aux as! Allez, passez les sous-sous! Merci! Bah, je vois pas d'autre possibilité que de retourner où on était. C'est là. En fait, il y a deux pièces qu'on n'a pas complétées. Et je crois qu'en fait, quand elles sont grisées, ça veut dire qu'elles sont pas complètes. Et bien entendu, c'est la salle qui est tout à gauche. Alors, on va y retourner vu que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour l'instant. On va chercher encore quelques minutes. Si on trouve, tant mieux. Si on trouve pas, on fera 100. Et on regardera. Je compterai sur vos conseils avisés pour m'aider pour la prochaine fois. Là, s'il y a le truc de feu... Ah, il y avait une nappe. Je n'avais pas remarqué. S'il y a un truc de feu, forcément qu'il doit nous falloir utiliser le feu quelque part. La question, c'est où? Le papier, ça se brûle. Quoique... Est-ce que si...
Oui, bon, Mario, merci. Si je bouge, je peux bouger l'objet? Non. Mais que faut-il faire, bon sang? Oh, de la vie. Oh oui, alors là, la vie, par contre, c'est tous les jours que j'en prends. Je mets le feu. Qui veut du feu? C'est gratuit. Je suis pyromane. Je suis Luigi le pyromane qui balance du feu avec son aspirateur. Franchement, Luigi, à lui seul, c'est un nouveau super-héros, je vous dis. Oh, attendez. Il n'y a pas un autre trou? Là? Non. Est-ce que peut-être on peut voir des choses que nous ne sommes pas censés voir? En haut, peut-être une clé qui est cachée? Non. Non plus. Donc là-bas, il y avait le trou de souris, mais on n'aurait pas loupé une clé dans le trou de souris quand même. Ce serait bête. Mais au point où on en est, pour ne pas mourir bête. Alors là, je sais. Est-ce qu'ils réapparaissent? Non, 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 j'ai même pas envie de tester en fait. Quoique, si j'ai envie de tester pour le fun. Ça fait quoi si j'ouvre ça? De toute manière, normalement, c'est éclairé, donc on ne risque plus rien. Oui, on ne risque plus rien. On est d'accord, là, j'ai rien loupé. Regardons avec la Game Boy Aurore. Donc déjà, on va réactiver le trou là-bas. Voilà. Ah, on peut revenir à l'entrée. Bah les amis, je vois qu'on en a 31 minutes, donc ce qu'on va faire... On va tout simplement rentrer. Parce que là on commence un petit peu à tourner en rond. Et vu que j'ai pas les idées, j'ai plus les idées très claires. Sachant que j'ai dû vous refaire toute la partie vu que j'avais pas sauvegardé comme un gros malin. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Et en attendant on se retrouve très bientôt pour la suite de notre Let's Play sur Luigi's Mansion. Les amis de curseur, ciao à toutes et à tous.